Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de... C'est que ça, station de recherche, d'accord, ici. Mauvais plan, inspecter l'infirmerie, ok. Trouver des tableaux de service, ok, apparemment il y a des choses bizarres autour de nous. Donc dans Mass Effect Andromeda, je sais pas si je l'ai dit, et on va essayer peut-être d'avancer un petit peu dans l'histoire. Et nous verrons bien. Hop, salut, désolé, j'étais un petit peu atterri sur la tête. C'était fait exprès, mais bon, je voulais pas te le dire au départ, donc bon, c'est pas grave. Allez, où la porte? Crac. Est-ce que c'est un mauvais plan? Datapad, bonjour. Équipe de réparation de système hydraulique. D'accord, d'accord. Bilan dégâts pour un HSM. D'accord, ok. Voilà. Le datapad parlait d'un certain Jennings. Voilà, Axel Jennings. Affecté à l'installation de sondes météorologiques un peu partout dans le désert. D'accord. Ça fait beaucoup trop d'endroits à vérifier. Attends, je suis désolé, t'as été coupé en plein milieu. Ça t'apprendra à dire de la merde, j'ai envie de dire, mais... Voilà, merci. Ouvre la porte. Crac. Ce matériel a clairement servi à soigner des blessures causées par les reliquats. Le datapad disait que l'équipe technique essayait de les contrôler. Des particules de sable ont été retirées de la blessure. Analyse en cours. D'après la liste des lieux... Ok, t'as été recoupé aussi. Faudrait quoi, que je m'arrête de bouger en fait, c'est ça? Non, faut que j'attende de... Qu'ils aient fini de parler pour que je me mette à bouger. Ça devient triste si c'est ça. Bon, tant pis, on n'en saura pas plus, hein. Pas comme s'il allait répéter les objectifs. Ok, allez les filles, on y va. Hop. Oh, les tourelles. Oh, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai vu la bande-annonce, chers amis, du nouvel event, du coup, que vous allez déjà avoir vu dans le... dans la chaîne vis-à-vis de... Pionnier, il est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. Voilà. On va faire ça par là. Crac. On va aller là aussi, ça peut être sympa. Non, y'a rien ici. Ok, je me suis fait niquer. Dommage. Je croyais qu'il allait s'accrocher, honnêtement, mais... Mais il a pas voulu. Ah, il était un peu nickel. Comme l'indice japonais. Ça va être viable par là. Ne pas me dire qu'il y en a un où je peux avoir les trois. Oh. T'es un vilain. Vas-y, fais péter, hein, tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Bah, on y est. Crac, t'es ici. Crac. Aucun signe de ces techniciens. Mais quelqu'un a abandonné son équipement. Ouais.
Bonjour. Attendez, j'ai un canal ouvert. Les doigts dans le nez. On attend que la charge électrique soit assez forte et les reliquats nous obéiront comme des doutes. Lexi, j'en ai trouvé une. Alors là, ça c'est casse-couille. Comment ça, rejoindre les techniciens en moins de... 2 minutes. Les niveaux de radiation augmentent. Hop. Pourquoi c'est la course? C'est nouveau ce truc là maintenant. Ok. Le ciel est magnifique à sa façon. Notre peuple a fait un sacré chemin. Un véhicule. Il n'y a rien ici qui pourra l'arrêter. Je n'irai pas planter mon drapeau ici. Et certains s'en feront de joie. Ok. Ligne droite, j'en profite. Où est-ce qu'ils sont censés être? Ok, c'est pas... Ça semble pas trop dur. Ah ça y est, je vois un truc sur le... Sur la map. Aidez-nous, je vous en prie. Ah bah voilà, vous avez joué au con et vous avez perdu. Merde, c'est vrai, j'avais oublié cette fois encore. On les a tous vus. Ok, je sais pas si c'est moi. D'accord. Ils sont où? Donne ta vie, voilà. Ils sont où? Oh, bande de lave, vous êtes où? Ça y est, te v'là. Oh! Tiens, mérite un coup de poing. Oh, je te cause! Oh! Bonjour. Tomber à pic. Ah bon? Merci pour votre aide. Tu peux venir me parler? Sur les reliquats n'a pas fonctionné. Bon, ok. Qui a lâché le morceau? C'est Kasperek, hein? C'est lui, non? Ces reliquats pourraient labourer nos champs ou nous protéger des kertes. Vous les contrôlez bien, vous. Alors pourquoi pas nous? Je sais ce que je fais, moi. J'ai une IA ultra évoluée et suffisamment d'expérience avec les reliquats pour savoir qu'il faut faire attention. J'ai compris. Mais vous pouvez pas nous protéger en permanence, pionnier. On doit tirer parti de tout ce qu'on peut trouver. Certes. Il a raison. Hein. Il a entièrement raison. Ah bon? Ok. Dac, tu m'as dit qu'un drôle de symbole, donc il n'y a pas de console apparemment, donc c'est bizarre. Tombe pas. Ok, bon. Bon, je vais sortir parce que mon armure commence à bouffer des radiations. Et ça piou du coup. C'est pas des cadavres apparemment.
Non, non, bon, c'est pas grave. Je sais qu'il y a une zone minière juste là. Donc autant la trouver. Pionnier, il est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. Là. On va rester dans le coin parce qu'apparemment il y a une deuxième. J'essaie de me concentrer sur le potentiel. Dans 50 ans, cet endroit pourrait être une station balnéaire. Et on s'observera des jours de fête. Dès qu'on comprendra un peu mieux les saisons. Je me sens plus chez moi sur Eos, même s'il y a encore beaucoup de travail. Bon, je trouve pas. Ok, bon là il n'y a pas de problème, bon c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire sur cette planète? Oula, j'aurais peut-être pas dû sortir pour faire ça. Hop, voilà. Journal. Opération prioritaire. Avantage. D'accord, Nexus. Nexus. Ok. Tâche supplémentaire. Nexus. D'accord, elle est dans le vaisseau. Ça peut être intéressant. Mais bien sûr, ce sera pas affiché. D'accord, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une carte? Une carte, ça pourrait être intéressant. Station de recherche, oui, c'est pas ce qui m'intéresse pour le moment. Par où ne suis-je pas allé? Par là. Après, est-ce qu'il y a moyen d'y aller? C'est une autre question. Je pourrais foncer par là pour aller voir. Je serais curieux d'aller voir en fait. Allez hop, allons-y. J'imagine qu'il n'y aura pas grand-chose. Je sais pas pourquoi, je me dis que... Quatre géants, en plus ça me dit vaguement quelque chose. Radiation niveau 3, vous voyez, ça va très très vite d'un seul coup. Zone extrêmement dangereuse. Ah bon? Ah oui, c'est... Vous n'avez pas le droit d'y aller. Dommage. C'est ce que je viens de me dire en fait, ça. Das ist forbidden. Ok, c'est pas grave. Laisse tomber. Pionnier, il est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. D'accord, oui, mais encore faut-il en trouver des minéraux, hein. Cette zone est riche en matériaux, ça se sent. Ça se sent. Ça se sent. Que c'est riche en matériaux. Les niveaux de radiation augmentent rapidement, pionnier. Oh, ça remonte. Cool. Cool, 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 cool. Ça, je ne savais pas. Parfait. Système de survie rétabli. Parfait, parfait. Ok. Bon, bah écoutez, on va revenir sur le Nexus. Hein. On va retourner sur le Nexus, on va aller voir, parce qu'apparemment, on trouve rien. C'est un peu dommage, d'ailleurs. Hein. Sortie d'atmosphère. RAS. Cool, merci. Enfin, RAS, il y avait juste un truc qui sortait de je sais pas trop quoi, là. Mais bon, c'est pas grave, tout va bien, tout va... pas de soucis. Ouah, c'est Tic piqué de Elite Dangerous, j'avais pas pensé à ça, d'ailleurs. Oula, je manque de faire tomber la manette. Ça va pas le faire. Bonjour. Avant que la réunion commence, j'ai l'attribution des lits pour Pibi et Drac. J'ai déjà mis mon sac dans la cuisine.
Je vais rester là-bas si ça vous va. Et moi, je me suis installée dans un des modules d'évacuation. C'est plus mon style. D'accord. C'est ok. Super. Bienvenue à bord. Un commentaire, Ryder ? Demandez la prochaine fois, ça fera moins de réflexion pour le monde. Mais on a quand même des règles. Renseignez-vous sur le protocole la prochaine fois. Parlons de notre réussite sur Eos. En plus d'avoir établi notre premier avant-poste viable, on a fait des choses incroyables. On a découvert les reliquats et on a ouvert leurs caveaux. Sans se faire tuer en plus. On s'est exposé à des radiations élevées à plusieurs reprises. Et on n'est pas mort. On a affronté les cartes comme c'est pas permis. Là encore, on s'en est tiré. Faudrait penser à revoir votre définition de réussite. Vous préférez la définition qui a mené à l'atomisation de votre planète par votre propre peuple ? Touché. Il l'admet. Je pensais qu'il allait rager, vous voyez. Concentration. Revenons à notre mission et à notre avenir. Je suis bien d'accord. Juste une question. Quand est-ce qu'on s'occupe du prochain caveau ? Il a l'air actif. Faut y aller, là. Oh, doucement. Il faut surtout qu'on ne fonce pas sans réfléchir. L'initiative a ses priorités. C'est à l'équipe de décider. À vrai dire, c'est au pionnier de décider, pour être exact. D'accord. Ah, maintenant, faut que j'essaye maintenant, alors, c'est ça ? Qu'est-ce que vous attendez de nous, Ryder ? Soutenez-vous. Il faut qu'on fasse preuve d'empathie et de tolérance entre nous. Trouver une terre d'accueil pour des dizaines de milliers de gens dans cet enfer, c'est assez stressant comme ça. C'est clair. Apparemment, je me suis mis quelqu'un à dos. Les organes sont doués pour une chose, c'est la tolérance. Pas pour l'humilité ou la connaissance de soi. Bon, on retourne au Nexus. Bibi, Drac, allez voir Lexi pour votre examen médical. Merci à tous. Oh, t'es un super chef. C'est génial. Moins 1 million de points envers tous vos amis. Ok. Pionnier, vous avez reçu un nouvel email. Ah oui ? Bah attends, je vais dans ma piole. C'est pas ma piole. Ma piole. Je mérite une augmentation. Ah, centre de recherche, bonjour. J'ai des points ? Ah, j'ai des points. Amélioration. Lubrifiant aérien. D'accord. Vous avez besoin de lubrifiant aérien, vous aussi. Pourquoi pas. Brassard, casque, hypergardien. Hypergardien, elle était jolie, hein, je crois. Et moi. Ouais. Oh, elle était pas moche, celle-là. Le problème, c'est qu'on n'a pas plus d'infos que ça. Ah si, je peux encore arrêter dedans, et voilà, aller vérifier. Dégâts des armes, plus 2%. Vous voyez, c'est pas intéressant. La N7. La N7 a l'air d'être là pour encaisser. Et l'hyper gardien. Santé maximale, bouclier. Santé maximale, bouclier. Santé maximale, bouclier. Dégâts corps à corps. D'accord. Ok, c'est pas pour tout de suite. Et les reliquats, au niveau de leur armure, c'est... Régène. Ok, d'accord, c'est cool. C'est pas grave. Laissez tomber, les filles. Où est-ce qu'elles sont, mais... Où est-ce qu'elle est, ma piole ? Où est mon datapad ? Ah, comment tu t'es retrouvé là-dessous ? Souvi, vous parliez à votre datapad, là. Salut, les filles. Oui, en effet, ça m'arrive. J'avais décidé de vous installer ici. Ok. Ouais, je jette un œil à ce qu'on a trouvé dans le caveau. Si j'arrivais à comprendre comment fonctionne cet appareil de stockage, ça m'aiderait pour un de mes projets sur le Nexus. Dac. Si personne viendra me déranger pendant que je bricole, et je peux dormir n'importe où. Ça fait pas très nidouillé, mais c'est justement ce qui me plaît. Je cherche pas vraiment à chez moi. Mais ok. Vous en faites pas. Je vous aiderai à trouver une terre d'accueil. Enfin, tant que je serai là. Bah, ralentis un peu, c'est vrai qu'on est qu'au début du jeu. Sur pause. Non, désolé. Même quand je rêve, c'est en accéléré. Dommage. Vous voulez savoir qui vous avez à bord, donc vous essayez de comprendre à quoi je carbure, c'est ça ? Ouais, quelque chose comme ça. Eh ben, je suis née dans une cabane à la campagne sur Yetiana. J'avais des parents qui m'aimaient et qui... Je regarde en avant, Ryder, jamais en arrière. Qui ça intéresse, mon passé ? Vous apprendrez à me connaître sur le terrain.
quand on ira découvrir les mystères de cette galaxie. Dac. C'est pour ça que je suis là. On s'ennuyait à en bailler chez moi. Donc vous cherchez l'aventure. Vous jeter sur des inconnus dans la Voie lactée, ça vous suffisait plus? Ah putain, oui, j'avais oublié que le cœur c'était les relations. Me jeter sur amusant, quel que soit l'endroit. J'ai dit ça à haute voix. Je risque pas de m'ennuyer avec vous. Plus de raison de bailler. Ah oui, t'as... Ah, quoique, garder la bouche ouverte, parfois, ça peut être agréable. Désolé. Donc, vous êtes là par ennui. Vous avez abandonné tout ce que vous connaissiez par ennui? Non, je suis venue avec quelqu'un. Et elle a fini par me trouver ennuyeuse. D'accord. Dans la Voie lactée, il n'y avait plus rien à faire, Ryder. En tout cas, rien que personne n'ait jamais fait. Si d'accord. Si vous devez savoir un truc sur moi, c'est que je suis motivée par l'inconnu. Parce qu'il n'y a encore jamais été fait. Ça me suffira. Vous pouvez être fier de vous, alors. Personne n'avait encore éludé aussi brillamment toutes mes questions. Génial! Je suis la première! Payez-moi un verre un de ces jours. Je risque d'être bien plus causante. Si tu veux. Cela dit, il me faut des pièces reliquates, de la Relitech, j'appelle ça, pour plusieurs d'accord. pièces personnelles. Que vous allez adorer, d'ailleurs. Si vous promettez de m'apporter ce que vous trouverez, je répondrai à toutes vos questions. Ouh. De la Relitech? Ça marche. Relitech, c'est sympa le nom, j'aime bien. Du coup. Rien à scanner dans le coin. Ouh, je scanne. Ok, est-ce que je peux te causer, du coup? Encore vous. Vous voulez que je vous reparle de la cabane où j'ai grandi? Non, je te laisse bosser. Je vous laisse tranquille, Tibi. Bonne chance pour votre projet. Merci. Revenez me voir quand vous voulez. Pas de soucis. Ouf, oh la vache, je me tenais à moins de 10 cm d'elle, quoi, c'est... Poste d'équipement, ok. Et ça, c'est pour partir dans la navette, d'accord. Moi, je cherche ma piole. Si possible. Ah, je crois qu'elle est en dessous. Pionnier, vous avez reçu un nouvel email. Oui, je suis au courant, justement, je cherche mon lit. Pour voir s'il y a quelqu'un dedans. Non, heureusement que c'est pas l'urgence pour descendre, hein. Dac, terminal de messagerie. Besoin d'aide. Docteur Aridana, bonjour Ryder, pardonnez mon intrusion. Je rencontre un problème que Sam et vous devriez pouvoir corriger rapidement. Ça viendrait dans mon enquête sur le fléau. Vous pouvez en discuter au laboratoire Nexus. Mes amitiés à vous et à Sam. Astrophysicien en chef, d'accord. Ryder de Cora, merci d'avoir discuté avec moi. Ça vaut mieux, même si tout n'est pas encore réglé. Pensez à prendre du temps pour vous aussi. Le travail c'est important, mais le deuil aussi. Chérin et la mère ne peuvent pas vous contourner, Cora. Le PS, les plantes poussent bien. On apprend la botanique avec Sam, c'est intéressant. Ce caveau, Cora, je sens encore l'heure de ce caveau reliquat sur mon armure. On a vu un tas de comme vous direz, des... Cora. Les secrets du tempête. Café illimité, pas une machine à café de la... D'accord, à volonté. Eau chaude sup. Augmente votre ration d'eau chaude dans les douches. Priorité laverie, place votre vêtement avant ceux des autres dans... Merci, Calo. D'accord. Ah, c'est le fait que je suis allé leur parler, d'accord. Vetra. Ok. D'accord. Ok. Posture de yoga, mais c'est quoi ces textes? Oh là 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 là. Ça va plus. Question, est-ce que je peux changer de fringue? Est-ce qu'il y a des nouveaux fringues? Ouais. Couleur automatique. Je peux pas changer? Ah, c'est ça la couleur auto. Donc en fait la couleur auto. Ah d'accord. Bon bah écoute, on va rester là-dessus, c'est pas grave, hein. Hop, ok, salut. Combien de nouvelles missions on a maintenant, du coup? Fabrication de l'armure de pionnier. Fabriquer le... Ok, ouvre la porte, merci. Non, je veux remonter.
Je veux remonter. Mais merde, je veux remonter. Ok, c'est bon. On doit bien avoir une station de fabrication de toutes les choses dans le tempête. Normalement, ça va être à gauche ou à droite, je dirais. Là. Encore ? Ah merde alors. Alors apparemment ce sera pas là. Putain, si c'est pas l'autre côté, je l'ai bi. Ah bah ça peut-être dans le centre de recherche, c'est tout connu. Ah bon, bonjour. De plus en plus de gens sortent de stase. Ils attendent tous une terre d'accueil. Braden manquera pas de main d'œuvre. Ils vont bientôt commencer les récoltes. Cool. Bah c'est cool ça. Je ne sais pas si je leur donne assez d'eau ou un peu trop. J'ai grandi dans un petit transporteur. Je n'ai jamais vu de jardin en vrai, mais ça m'a toujours attiré. T'es mignon, elle qui est super froide en fait, en règle générale. Jardin de roses en arrivant ici. J'y songe encore parfois. Des roses dans Helios. Ouais, je vais partir sur ce que j'aurais dit moi aussi, c'est très romantique les roses. Sous cet uniforme se cache donc un cœur aussi tendre que des pétales de roses. Et pas qu'un peu, mon cher. Et notre dur à cuire de pionnier, il a un côté sensible. Oula, ça c'est du. Il rentre dedans. Peut-être bien. C'est bon à savoir. On a tous un petit quelque chose. Ça n'a pas toujours été mon cas. Après avoir quitté les commandos à Sari, enfin, pas de mon plein gré, Nisira m'y a encouragé. Pourquoi ? Elle n'arrêtait pas de dire que l'initiative me conviendrait mieux. Être chasseresse, ça me convenait très bien. Mais elle a insisté. Peut-être pour votre bien. J'ai l'impression qu'elle se souciait avant tout de votre bien-être, en dépit de vos envies. Être rejetée ne m'a fait aucun bien. Mais j'ai l'habitude. Quand vos pouvoirs biotiques se transforment en armes dignes d'une chasseresse, les gens le prennent bizarrement. Bizarrement. L'initiative semblait mieux, même si j'ignorais quelle place j'aurais dans cette nouvelle galaxie. Je ne me suis jamais intégrée avant. Et puis, même dans l'équipe, alors. Ce type un peu dingue, Ryder. Il m'a parlé du voyage vers Andromède avec la conviction d'un prêcheur. Quelle partie de son discours vous a donné envie de faire le grand saut ? Une civilisation qui donnait sa place à tout le monde, même à une IA, ou à une biotique avec des pouvoirs surhumains. D'accord. Votre paradis, vous êtes différente. Maintenant, imaginez que vous soyez acceptée et que vous aidiez d'autres comme vous à le devenir. À 13 ans, je pouvais déformer une poutre en acier. Grâce à lui, je me suis demandé, et si on m'avait dit que c'était bien ? Il savait inspirer les gens, il clairement. Il vous a donné un rêve à poursuivre. Il était doué pour ça. Qui ne voudrait pas se sentir à sa place, surtout au sein d'un groupe comme l'Initiative. Cool, bah écoute, bienvenue donc, dans l'équipe. J'ai tout donné pour l'Initiative. Je n'arrêtais pas de penser à mon rêve, ma Rose Ray. Je pensais savoir ce que j'allais devenir. Vous parlez du fait de ne pas être devenue pionnière ? Je ne pensais pas que ça ferait aussi mal. Nisira, votre père, mes parents, ils sont partis en me laissant sans réponse. Je ne sais plus où j'en suis. Tournez la page, Cora. C'est moche, mais c'est comme ça. Vous devez vous concentrer sur la mission. Comme toujours, mais je suis aussi humaine. J'ai besoin de temps pour m'en remettre. Et si la technologie des reliquats donne des résultats, j'aurai peut-être aussi droit à mes roses. Effectivement. En tout cas, je l'espère pour toi. Du coup, c'est toujours pas là que je vais trouver mes modifications d'armement. Mais ce sera au niveau du centre de recherche. Donc. Plastron de pionnier. Plastron de pionnier. Apparemment, c'est ça qu'il faut que je fabrique. J'ai pas assez de platine. Dommage. 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 Alors. Ah, d'accord. Donc, j'ai des améliorations. Que je peux pas faire parce que je n'ai pas de cuivre. D'accord. D'accord. Il y a un 4 roues et un 6 roues motrices. D'accord. Ok. Je commence à capter. D'accord, ah, c'est intéressant. Omnilam 2. Fusil de combat, d'accord. Oui, ok, tout ça c'est très très classique. Ok, du coup j'ai pas ce qu'il faut pour la construire. Donc je l'ai dans le cul, Lulu, comme on dit. Hein. On va aller voir nos pilotes. Nos magnifiques pilotes. Et on va se rendre sur le Nexus.
Merci, je croyais que ça n'affichait plus. Je me disais, merde, il y a un problème. J'ai encore des choses à faire, peut-être. Notification des morts. Oui, enfin bon, t'es rigolo, toi, mais c'est bon. J'ai déjà suffisamment donné pour les cadavres. Vue du système. Anomalie détectée. Ah bon ? Péal, nananana, Konsu. Bah écoute, on va déployer une sonde. Crac. Un astéroïde. Un énorme dépôt de minéraux. Bah on y va. On va bien voir, hein, je... Si je peux me faire mon plastron, ça me fera une quête de plus. Que demande le peuple, hein, comme on dit. Du fer! Et le fer à 10 sous! C'est pas cher! Carte du secteur. C'est là qu'il faut qu'on aille, je crois. Je sais pas, je crois qu'on est censé, voir quelque chose à ce moment-là, hein, je pense. Hein, mais on le voit pas, on le voit jamais. Ok. En territoire connu. Ça fait des mois que le Nexus est là, et on n'a toujours pas eu le temps de tout explorer. D'accord, ça c'est bien d'avoir des textes, je trouve, à côté, c'est vraiment cool. Après, progression 100%, donc tu me dis que j'ai pas eu le temps de tout explorer, mon cul, hein. Excuse-moi d'avoir à te le dire comme ça, mais... Bon, bah, retour à la maison, du coup. Oh, excusez-moi. C'est bio. Bah, allons tous à la baie d'Amarage. Hop. Si on peut ramener un peu de tout ça sur EO, ce serait vraiment cool. Peut-être qu'on nous fait péter le champagne à l'arrivée, cela dit. Eh, champagne ! C'est parti, c'est la fête ! Non ? Oui ? Non ? Toujours pas ? Ok, salut. Je me casse, je vais voir ailleurs s'il y a du champagne. Champagne ? Champagne ! Pionnier, c'est bien vrai ? On colonise EOS ? Champagne ! J'ai déjà fait le coup. Mais EOS a changé. Pas vrai, Pionnier ? C'est bon, tout le monde se calme, écartez-vous un peu. Je suis le lieutenant Sayax, l'aide de camp de Kandros. Ils tenaient tous à vous voir. Ils retrouvent une lueur d'espoir, ça faisait longtemps. Y'a de quoi faire la fête ! Détendez-vous, lieutenant. S'il y a bien un jour, on peut sortir le champ. Ouais ! Absolument. L'initiative est à nouveau sur les rails. Enfin ! Professeur Eric, c'est bien ça ? Ce que vous avez accompli avec ce caveau reliquat, c'est du jamais vu, pionnier. C'est inimaginable. Mais avec le réveil des nouveaux scientifiques, on va percer tous ces mystères. Tout le Nexus en profitera. Ça prouve votre ténacité. Notre ténacité. Ça prouve qu'on s'en relèvera toujours. Toujours. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Il y a un nouveau monde à découvrir. Merci, Ryder. Je vous en prie. C'est la fête, sortez le champagne, sabrez les... Bouteille. Ma merde. Je suis déçu. Oh, les services d'immigration. Non, j'ai pas le droit. Bonjour. Oh, ça a changé. Salut Garson. Non. Non, non, t'inquiète donc pas, mais non. Ici. Laboratoire technique. Lieu découvert. Ah, te voilà. Aridana, bonjour. Bonjour, pionnier. Vous auriez un moment ? Oui, je vous écoute. Que je peux faire pour vous, docteur ? Je rencontre un problème mathématique, des équations vitales que seul Sam saurait résoudre. Cela concerne d'étranges signaux de transmission au sein du fléau. Mm-hmm. Peut-être de simples interférences, ou peut-être pas. Ça vaut le coup de vérifier. Il pourrait s'agir d'un vaisseau, voire d'une turbulence dans le fléau qu'on devrait connaître. Étant donné sa complexité,
et les risques liés à la sécurité, je suggère un transfert direct des équations au bloc SAM. Je vous les ai enregistrées sur un disque de stockage optique. Je verrai si j'ai le temps. Merci, pionnier. Et remerciez aussi Sam de ma part. Bon, tu sais, il t'a entendu aussi bien que moi. Ok, cool. Cool. Bonjour. Super utile ce que j'ai appris. Bah, tu peux me parler, s'il te plaît ? Merci. Quel est le problème ? J'ai des coupures de courant dans toute la station, mais pas moyen de trouver d'où ça vient. Oh bah merde, vous êtes le pionnier ? Eh ouais, je suis le pionnier. Désolé, ne faites pas attention à moi, vous avez bien mieux à faire. Non, vas-y, je t'écoute. C'est pas un problème anodin pour le Nexus. Je veux vous aider. C'est vraiment sympa, parce que là, j'y comprends rien du tout. On a oula, des oui. circuits un peu partout dans la station. Peut-être qu'avec votre expertise de pionnier, vous verrez quelque chose qui m'a échappé. Il y a un grand circuit par ici. Vous devriez scanner la zone. Attends, est-ce que tu... Si tu m'affiches pas la mission, je vais en chier à trouver, moi. Bon, vous me pétez un peu les couilles, là, je veux bien l'admettre. Ok. Sésame ? Qu'est-ce que tu me chies ? Ok. Effectivement, il y en a un paquet de... Crac. C'est vrai qu'il y a un paquet de... C'est saloperie. N'empêche, c'est joli dans le coin. Je veux pas dire, mais... Ah, c'est fermé aussi. Fermé. Ok, c'est pas grave. C'est un coin vide. Bonjour. Cet endroit est vide. Ce n'est pas grave. Progressons quand même. Hop. Olé ! Eh ouais, les escaliers, c'est pour les nuls. Bien sûr, dites-moi de quel matériau vous avez besoin et je vous trouverai quelque chose. Ça me soulage. Wouh. Falcon Punch. Tu compares avec quoi? Avec le Valkyrie? C'est pas avec le Valkyrie, je voudrais que tu le compares, c'est... C'est avec mon autre snipe. C'est pas grave. Bon, pourquoi pas. On y va, on progresse. Crac, crac, et crac. Voilà. Hop, je me suis trompé d'endroit sans doute. On en est où dans l'épisode? 39 minutes? Putain, j'ai pas vu le temps passer les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Venus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et yop! Désolé.